Allez, on va en mine. Allez, tous en mine. Allez, tous ensemble, tous. Passionnant, je descends vers le centre de la Terre. Donc il nous faut de l'aluminium en fait pour faire les Pokéballs, c'est ça? En réalité... Aluminium ou fer? Ou fer, ah oui, voilà, d'accord, voilà. Les deux. Et il nous faut du coup des noix agrumes rouges, donc il faut qu'on fasse absolument un truc de noix agrumes rouges. J'en ai déjà, t'inquiète, j'en ai déjà planté. Tu peux faire des noix, tu sais, tu peux faire des noix et jaunes, Ryan, et faire directement des hyperboles, hein. Ça marche aussi. Ouais, les hyperboles, c'est plus intéressant. Surtout que ça utilise la même quantité de fer, donc autant faire la meilleure direct. Alors, je vais voir par là, parce que j'ai cru entendre quelque chose. Ah, il y a des minerais ici. Ouh la vache, ça se mène avec une pioche en fer. Ah, il y a une grotte ici. Ouais, il me semblait bien qu'il y avait une grotte. Allez, Valence. Je sais que je suis pas obligé d'éclairer vu qu'il n'y a pas de mob, mais bon, j'aime bien éclairer pour juste dire « Ok, quelqu'un est passé par ici, vous n'êtes pas obligé de farmer. » Oh, mine, oh, mine, oh, mine, oh, mine. Putain, je trouve pas la grotte. Ouh la vache, il y avait un gisement concentré de diamants, là. Ah, c'était là, je crois. J'ai 5 diamants, là. Alors, techniquement, maintenant, on a de quoi faire... Les fours marchent plus. Les fours marchent plus. What? Oui, on peut plus rentrer dans le four. C'est bizarre, ça. On a de quoi faire le PC normalement. Ah, il faut un peu de glowstone, mais on en a droppé normalement sur certains mobs, il me semble. Moi, je n'en ai pas eu, mais. Enfin, je crois j'en pas. Ai vu à un moment, il me semble avoir récupéré par réflexe, mais je suis pas sûr. Après, moi, je vais dire que j'ai pas tout ramassé les trucs que j'ai vus, quoi, parce qu'au bout d'un moment, j'en avais ras le cul de tout ramasser. Quoi. Bah, moi, je faisais juste attention à prendre des trucs intéressants. Quoi. Bah, le truc, c'est que vu que je connais pas trop Pixelmon, je sais pas trop ce qui est utile pour le moment. Les ressources de base, c'est toujours utile, c'est Bloodstone, tout le tralala. Pour de l'or, mais j'ai plus de place, c'est cool. Ouais, je commence à être plein aussi, on a pas mal de ressources là en fait, hein, ça va. On a ce qu'il faut pour faire un PC là ou pas, Hugo? Ouais, largement. Hein. Tiens, un meurtre, toi. Je voulais aussi avoir de quoi faire un truc de heal, tu vois, pour qu'on en ait un notre future base. Ah, il faut des diamants, j'ai pas de diamants. Moi j'en ai. T'en as assez? Ouais, ou c'est dangereux ici. En tout cas, c'est de bonnes grottes par ici, hein. Il y a pas mal de ressources. On va mettre les minerais, tout ça, ce qui est précieux là-dedans. Ça inclut les noix grumes. Ok, maintenant je peux plus l'ouvrir, effectivement. Une fois que j'ai mis un truc à cuire. Tant que ça le fait pas avec les coffres. Ah non, voilà François. Ah, il va oler, c'est bon, il va oler. Oh, tu es fatigué, François ? Ok, alors. Où est le. Ah non, j'ai plus le Bauxite. Putain, c'est chiant. Voilà, on peut plus y accéder. What the fuck? Ouais, c'est vraiment embêtant ça. What the fuck? Ah ouais, non, mais c'est pénible. Hein. Et ça dégueule le contenu en fait quand il a fini de cuire. Vous avez quand même pu récupérer les trucs que j'avais mis à cuire? Ouais, c'est juste que ça. Il faut faire attention, ça dégueule le contenu du four. Hein. C'est à se demander si c'est pas en partie. Oh non, en vrai. Où est-ce qu'il a dégueulé le reste de mon bauxite? Ah non, ça j'accepte pas. J'ai perdu une partie du bauxite du coup. What the fuck? Non, j'ai perdu tout mon bauxite. Ah non, 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 ça. Là, c'est bugué. J'ai mis 15 de bauxite. Et. Il y en a plus. Vous êtes témoin, il a. Ah, le voilà. Ok, donc il drop bien, mais il faut faire attention où est-ce qu'il drop. Ok. Putain, t'es sérieux là? What the fuck? Tu peux juste mettre un truc. C'est vraiment. Je sors du centre Pokémon, je me fais attaquer par un Linéon instant. C'est vraiment bugué là, je comprends pas. Il y a un mode qui interagit avec le four en fait. C'est pas juste le four qui. Il y a quelque chose quoi. Il bug à ce niveau là. Je pense, ouais. Ah, tu te fais défoncer là, vas-y, Ryan! 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 Alors, ouais. J'ai plus ça. C'est ça, hein, oui, c'est ça. Il me semblait qu'il fallait taper dessus et puis il se transforme petit à petit le truc, non? C'est ça, hein? Je sais plus. Ouais, voilà. Oui. Oh, c'est long. J'ai oublié à quel point c'était long. Yep, il vaut mieux avoir l'auto-envil le plus vite possible, sinon c'est très long. Oh damn. Je sais même plus ce que ça fait là, ça fait le dessus de Pokéball ou... Ou ça fait les petits diamants comme je voulais, là. Enfin les petits trucs. Ouais, ça fait ça, les plaques d'aluminium, c'est ça qu'il me faut. Donc le PC, il m'en faut 6. J'en ai fait 3. Il me faudra de la glowstone, il faut que je vérifie si on a de la glowstone. Il me fallait de la glowstone.
Non, j'ai pas récupéré la glowstone que j'avais vue. Fuck, j'aurais dû la récupérer. Je l'ai vue au sol en plus, hein. Pokémon électrique, j'ai l'impression, souvent. Yep. La glowstone, tu peux aussi en obtenir dans les grottes avec les petits feuillages. Ah. Il y a des petits, on fait des espèces de petits plantes vertes dans les grottes et quand tu les casses, on obtient de la glowstone. Ah, je m'en souviens de ça. Je vais aller en chercher, ce sera plus facile. Et ça marche plutôt bien, donc c'est assez simple d'avoir de la glowstone. Yep. Parce que là, chercher un Pokémon électrique et espérer qu'il drop quelque chose, c'est limite... Ouais, y'en a un là, au pire, je vais essayer d'en avoir un pour moi. C'est pas un Pokémon électrique. Non, c'est un Pokémon normal, ça. Moi, je suis en dessous de lui, là, genre. Voilà. Alors, j'ai la Glowstone, j'ai la Redstone. Du coup, j'ai de quoi faire le PC. Moi, j'ai pas un Pokémon de plus haut que niveau 22 pour l'instant, comparé à vous, tu vois. Ah, bah, moi, je suis pas beaucoup plus haut, hein. Je suis... mon plus haut, il est niveau 22. Donc... Mon plus faible est niveau 21 et mon plus haut 40. Ouais, mais fuck you, Valence. Toi, t'es juste un sale farmer. Eh, pourtant, j'ai fait autant de temps que vous, hein. Je comprends pas. Bah ouais, non, moi, là, je suis tout à l'heure en train de... Depuis tout à l'heure, je suis en train de faire le PC, moi, là. Pour que tu puisses avoir plus facile. Mais toi, t'as attrapé des Pokémon niveau 30 directement. Ouais, tu les as pas montés. Non ? Parce que j'attaque, j'ai pas peur. Moi aussi, j'attaque. Ouais. Pendant que ça couille, je vais aller faire quelques petits entraînements. 54, non merci. Salut. Là, ça devrait être pas trop mal. Enlevons ça. Bulbizarre, mais tiens, ça tombe bien. Brûle. Et c'est plus Bulbizarre, c'est Brûlbizarre. Oh. Il m'a endormi. Debout. Debout. Putain, mais il se débrouille en fait le Bulbizarre. Même pas comparé à un Pokémon de feu. Donphan. Ah lui. Ah lui, je déteste. Dracorage. Oh la vache, il m'a. Oh la vache. Okay. What? Ok. Putain, mais il est puissant son truc. Cascade. Cadidesque. Voilà, ok. Ça, ça devra aller cascade. Oup. Au revoir. Bim. Level 22. C'est dommage, j'aurais pu avoir tellement d'XP pour mon Reptincelle. Il est mort. Résiste, ouais. Oh, putain, mais là, on a des Pokémon. Voilà. C'est du coup, c'est Léviator qui a eu toute l'XP. Les mecs, tenez, regardez, venez voir. Quoi? Venez voir. Eh, mon jardin! Je l'agrandis, le jardin. Ok, mais il faudra remettre une barrière, alors. Oui, je vais remettre des barrières. Là. Attends, Non, j'ai déjà une hache. Yay. Il a ignoré totalement le truc. Il est juste... Nice, c'est le PC Pokémon, ça? Yes. Ouais. Ça, et du coup, maintenant que j'ai accès au PC, je peux faire ça. Ah là. Il est grand, en plus, lui. Ah, il est bien grand, en plus, la vache. C'est Tauraptor, je l'aime bien. C'est l'oiseau de la 4G, du coup. Alors, moi, j'aimerais bien un petit Piafabec, là. Petit Piafabec. Objectif Piafabec. Non, je ne veux pas une loutre dégueulasse. Non merci. Hop. Là. Si ça marche la bonne mille sur les directement pour avoir des noix grimes. Ça fonctionne. Niveau 23, rapace de pique. Oh, excellent. Du coup, j'ai Ouh la vache, ça m'a fait mal. Ça marche, hein, les noix grimes. Rien. Nice. Après, c'est plutôt... Oh, fuck, non, c'est pas lui que je voulais utiliser. Oh, fuck, non, c'est vraiment pas lui que je veux utiliser. Parce qu'en plus, des os, on peut en avoir assez facilement. Si tu fermes les bons Pokémon, tu peux avoir pas mal d'os, au final. Du coup, Ryan, là, l'évolution... Bah, c'est pas si présent que là, donc faut faire attention. Oh là là. Non, là, c'est trop chaud. Sors. Pokéball. C'est quoi que t'as pris? Allez. C'est les Pokémon épée, c'est son évolution finale. D'accord. Ah, il s'est libéré. Il est niveau 46 déjà ton Pokémon, what the fuck. Oh bah c'est Valence, il cheat. Bah non, j'ai juste... Moi je trouve que c'est trop facile dans le jeu de pouvoir attraper des Pokémon de plus haut level que le tien, pour le coup. D'après ce que t'as l'air de faire, parce que moi... Yes. Non, le règlement. T'es pas d'accord ou Valence ou... Pour moi t'as complètement bugué donc... Ouais t'as bugué, je disais, pour moi c'est trop facile dans le jeu de pouvoir attraper des Pokémon qui sont trop haut level par rapport à toi. Ouais, ça... Oui et non, parce que personne ça me dérange pas, parce que je suis pas un farmer, je déteste ça. Mais tu joues à Pokémon? Oui, mais au moins là je dois pas farmer. Salut Ryan. Ça va Ryan?
Ouais, regarde. Bah, t'as eu il est pas très grand mon rapace de pique. Je regarde ce qu'il fallait, parce qu'il va falloir qu'on mette en place très vite le système de craft des Pokéball, si on veut capturer un max de Pokémon. Ok, alors, une Hyper Ball. Tu veux un Gallam, Valens? C'est évidemment non. La couverture comme ça. Bon bah j'ai plus le Pokéball. Noir, noir et jaune, ok. T'essayais de faire quoi? Le Meganium, mais fini. Il est toujours là si jamais quelqu'un le veut. Moi je peux pas, moi j'ai pas le level. J'ai plus de Pokéball moi, donc c'est compliqué. Voilà, j'ai envie de faire juste au moins une Pokéball, juste pour dire. Ok, je vais pouvoir faire la première... Ah oui, c'est vrai que je dois la retransformer. Yeah. Wow. Y'a pas la place ici. Je peux monter Meganium. Y'a pas la place. Je peux monter, effectivement. Pas la place, pourquoi? Son truc là, je fais une Hyper Ball, regarde. Tadam. Et après j'assemble. Il me faut juste un bouton. Je te vois pas. Tu es où, Valens? Ouais. Ah, ton Meganium. Voilà, j'ai fait une Hyper Ball. Donc ouais, il va falloir agrandir notre champ de noix grume et il va falloir faire l'auto Anvil parce que sinon ça va être long. De méga long. Thème pour la base, moderne organique. Enfin, moderne avec des plantes, quoi. On cherche un endroit d'abord, c'est ça? Voilà, je fais un petit peu de bouffe avant qu'on parte. Faudrait voir, il y a des backpacks ou autre chose qu'on pourrait faire, ça pourrait être sympa d'avoir un petit backpack. Alors là, j'en ai absolument aucune idée. Il y a quand même 50 modes, donc c'est pas juste Pixelmon, il y a quand même pas mal d'autres trucs, quoi. J'en ai absolument aucune idée, j'ai pas du tout pour y en aller, donc je sais pas. Est-ce qu'on a de quoi se faire un truc pour soigner, là, les... Alors, les trucs pour soigner, on a techniquement ce qu'il faut faire, c'est juste que c'est embêtant à faire. Mais on a ce qu'il faut pour le faire. Clairement, si on se fait une maison, il nous en faut un. Oui. Mort. Non, on peut en faire un, et on peut aussi trouver un endroit qui est pas trop loin d'un village et aller le piquer dans le village. Bien que moi je dirais qu'il devrait avoir une règle sur le serveur, c'est qu'on peut pas piquer dans les villages les trucs de soins. Comme ça. Ah, il y a un Florizarre ici. Ah, c'est un boss. Fuck. Évidemment. Ah, je pourrais essayer de me le faire. De quoi, le Florizarre? Ouais. De toute façon, il va être 10 levels au-dessus de moi. C'est beaucoup, mais c'est faisable avec toute mon équipe parce que c'est un seul Pokémon, tu vois. Allez, je me le fais. Ah, je voulais y aller, mais je me suis fait agresser par un l'énergie. Ah, j'ai oublié de soigner mon reptincelle, fuck. Whoops. Ponyta, à toi. Attaque. Flamèche. Et il s'est fait défoncer. Mais je me fais agresser par un full Pokémon, là. Choc mental. C'est sérieux, il me one-shot tout. Il n'y a aucun qui arrive à résister, quoi. Bon, bah, étincelle un contre une Pokémon plante, ça va pas trop le faire. Ah si, il y en a un qui a réussi à le toucher à un moment. Rapace de pique. Attaque pic-pic. Ah, il a résisté, mais bon, pour quelle raison? Il va mourir juste après, voilà. Ouais, bah... Il est pas mal puissant. Hein. Léviator, évidemment, résiste. Léviator est beaucoup plus résistant, lui. C'est mon seul bon Pokémon. Et je vais mourir. Voilà, il est niveau combien, le Florizarre? Bah, il est 10 niveaux plus haut que ton plus haut Pokémon. Si ton équipe est équilibrée, c'est bon, quoi. Est-ce que ça vous dirait, du coup, en projet de faire une réplique d'une ville, d'une des générations de Pokémon? Why not? Une ville qu'on kifferait, quoi. Après, on peut faire notre propre ville. On peut faire un truc qui ressemble à une ville de Pokémon, tu vois, avec le centre Pokémon et tout ça, aussi. On peut faire une ville Pokémon, j'espère que t'es prêt, Auré, à faire des toutes petites maisons, mais avec un intérieur immense. Ah, mais faut faire un jeu Pokémon plus récent. Pour Palette, c'est ravi, tu m'étonnes. Ah, il y a un temple? Ouais, il y a plutôt un temple une arène. En moins 1800. Moins 1900, ouais. Moins 1900, 2800, il y a un temple dans l'eau. Ah, c'est un temple de... Yeah. Je me demande s'il y a des mobs en particulier dans ces temples-là, du coup, à la place des Guardians. Oh, c'est juste du mail. Un temple de l'eau, carrément, avec les Guardians. Ouais, un temple de l'eau. Ah, bah, il n'y a pas de Guardians, du coup, tu peux y aller dedans et prendre le trésor. Ouais, mais y a, à la place des Guardians, il y a peut-être un spawn particulier de mobs, du coup. Non, en général, non. Ils spawnent plutôt selon les biomes, en fait. Que ouais, mais c'est un peu... C'est dommage. Ah bah, du coup, moi, je vous attends, là, je suis en moins 2400... Moins 2200, moins 2400, plus ou moins. Il y a une plaine. Normalement, il y a une plaine. C'est l'endroit où il faut se trouver, la plaine. Moi, j'arrive à la plaine, là. Moi, je suis pas vraiment sur une plaine, là. C'est plutôt... Reviens un petit peu en arrière, t'as une plaine. Un Extreme Hills. Hop, hop.
Waouh. Ah, je te vois. Voilà, juste à côté. Toi ici. Alors, comme quel... ça, on a l'extrémité juste la plaine, à côté, tout ça, ouais. Un bel endroit ici, c'est sympa. Hein. Ouais, c'est cool. Il y a des Evoli ici dans les Birch Forest. C'est là où t'as plus de chance. Il y a aussi, aussi dans les Roof Forest. C'est pour ça qu'on se met à côté des Roof Forest. Tu peux mettre ton coffre, du coup, tes coffres, du coup, juste qu'on vide nos affaires et qu'on fasse là les retours. Et Après, est-ce qu'il y a d'autres trucs précieux qu'on devrait prendre? T'as pris les machines? Le PC, tout ça? J'ai pris le PC, oui. J'arrivais pas à le mettre. Voilà. T'as vu mon PC? Là, on va mettre les trucs précieux là-dedans. Il faudrait planter les noix grumes tout de suite. On va faire un champ de noix grumes en bas là. Ce sera bien. C'est des quoi que t'as mis là? Une ligne de noir. Et puis. Ah, j'ai trouvé un seul Pokémon loin, à côté si jamais. De jaune. Ouais, il doit avoir un. Il y en a partout, donc il devrait en avoir un. Bon, on va en faire un nous-mêmes de toute manière. Ok, j'ai le healer. Regardez, hop. Attends, je fais cuire mes Pokémon. Est-ce qu'il y a le mode des NPC là pour qu'on puisse faire une infirmière Joël? Non. Non. Dommage. Ouais. C'est le mode qui permet de créer des NPC, ce serait trop cool. Ah, custom NPC, ouais. Yep. Pas mal. Ça c'est bon, on est à peu près mis en place, génial. Allons juste confirmer que le marais n'est pas trop loin. Mais tu cherches quoi comme tour? Des vieilles tours en ruine dans les marais. C'est... Alors c'est les tours avec les spawners, c'est ça? C'est ça. Ouais. Alors les spawners sont buggés. Ah. Cassé, oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fixé la tour qui est au spawn, si jamais on veut l'utiliser et tout, mais il a dit qu'il n'a pas pu fixer tout. Alors après, si on lui demande de la fixer, genre si on veut l'exploiter, on peut peut-être lui demander, tu vois, mais genre, elle sera peut-être pas fixe ce soir, quoi. Mmh. Ouais, mais c'est bien au moins de la trouver, voir qu'on en a une, quoi. Pour la fin de l'épisode, j'aimerais avoir la machine, l'auto-anvil, parce que l'auto-anvil, c'est juste la base, quoi. Quel Pokémon drop des slime balls dans le marais? Alors là, aucune idée. Je suis dans le marais. Je vais trouver des Pokémon du marais pour avoir des petites slime bubbles. Y a-t-il des petits Pokémon dans ce marais? C'est vide. Oh, un autre truc ici. Hey, bébé machin chouette chose, ok. Oh, y a une sorcière. The fuck? Sorcière. Sorcière. Ryan. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors. C'était chaud. C'était chaud. Ouais. Bien joué. Genre, c'est pas passé loin. Genre, vraiment pas loin. Oh la vache. Oh damn. C'est un boss, ça. Dès que vous voyez un Pokémon qui est trop gros pour la zone, basiquement, c'est un boss. Parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire oh, tu l'as pas capturé. Je peux pas le capturer. Lui, il doit dropper des slime balls, mais il est level 50. Donc, oui, mais non. Nucleos. C'est une cellule verte. Ah, c'est ça? C'est ça? Alors, niveau 30. Machin... Okay. Et lui, il est niveau 39. Je pourrais pas me le faire, quoi qu'il arrive. Ouh là, c'est du gros psychoquac, la vache. Il est aussi grand que moi, limite. Damn. C'est bon que j'ai pas de Pokémon, ou sinon j'aurais capturé. Moi, j'ai envie de faire une team de Pokémon énorme. Juste, ils sont tous méga grosse taille, quoi. Et j'appellerai cette team... Je compense. On cherche un Smogo pour avoir une Slime Ball. On a besoin d'une Slime Ball pour faire l'auto-anvil. L'auto-anvil permet de faire les Pokéballs. L'état de mort, est-ce que ça donne des Slime Balls? Apparemment, oui. Oui, okay, apparemment. Il y en a ici, là, attends. Putain, mais vous trouvez tout? Bah, bon, moi, j'abandonne. En fait, je trouve rien, quoi. J'ai le pire marais possible ou... En fait, mon marais, il est trop propre. Il n'y a aucun Pokémon ball, dégueulasse. Bon. J'ai Slime Ball, c'est bon. C'est bon? Nice. Valence, t'as filé la truc de Slime, du coup? Yes. Pas, hein? Yep. Hop. Piston, ensuite évidemment sticky piston, ensuite il me faut des board fair et puis un four, tac tac tac, et nous avons un auto anvil, voilà. Tadam. Alors ce truc là, vous mettez juste du carburant, n'importe quoi qui cuit, puis vous mettez votre disque de fer à transformer et ça marche. Automatiquement. Ah ouais, c'est tellement bien. Regarde ça. Donc ça, c'est pour les hyperboles. Et ensuite, voilà François. Ensuite, je fais cuire. Là-dedans. Hop, comme on peut voir. C'est que d'hyperbole. Et ça évite de le faire sur ça, où c'est hyper long. Mais par contre, les trucs d'aluminium, on est obligé encore de les faire sur ça. Ça marche pas dans l'auto-anvil. Ce qui est un petit peu bizarre, parce que ça s'appelle genre Mechanical Anvil, mais tu peux pas mettre de teint, c'est bizarre. Bon bah là, on a autant l'anvil,
on a un autre endroit où on va se mettre. On peut arrêter cet épisode ici. Merde. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Ultra Pixel Man saison 2. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera après un prochain épisode et on vous dit... à la prochaine. Ciao.